Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'attraper du poisson. Alors, pour réaliser ce défi, vous aurez besoin d'une canne à pêche et vous aurez besoin de coins de pêche pour pêcher. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre ici, sur la map de Fortnite, pour réaliser ce défi. Parce que à cet emplacement, il y aura toujours une canne à pêche qui vous y attend et il y aura toujours des coins de pêche. Donc regardez les coins de pêche, c'est là où il y a des ronds dans l'eau, il y en a vraiment énormément. Donc c'est le meilleur coin de pêche où vous allez pouvoir pêcher, le meilleur endroit. Donc bien entendu, vous pouvez pêcher ça, faire réaliser le défi n'importe où. Mais voilà, moi je vous conseille quand même de venir juste ici. Alors regardez ici, dans les tonneaux, même sur Fortnite, dans n'importe quel tonneau comme ça, vous allez pouvoir trouver des cannes à pêche et des harpons. Hein. Vous pouvez aussi pêcher avec un harpon ou alors avec une canne à pêche. Donc regardez, il y a un tonneau juste ici. Ah, désolé, j'ai plus de batterie. Attendez, je change la manette tout de suite. Voilà, parfait. Ici, il y a un deuxième tonneau. Parfois, je pense qu'il y a même un troisième tonneau quelque part par ici. Donc voilà, quand vous avez votre canne à pêche ou votre harpon, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement pêcher dans le coin de pêche. Donc dès que votre hameçon tire, vous appuyez sur la touche tir pour pêcher. Et ce que vous allez devoir faire pour réaliser ce défi, c'est de pêcher 3 poissons. Donc regardez, quand vous avez une canne à pêche, vous ne pêchez pas obligatoirement des poissons. Hein. Parfois, vous pêchez des armes, comme je suis en train de le faire. Donc il faudra peut-être pêcher plusieurs fois jusqu'à temps d'attraper 3 poissons. Après, vous n'êtes pas obligé de pêcher dans des coins de pêche. Vous pouvez aussi pêcher n'importe où dans l'eau et vous attraperez des poissons fretins. Donc vous pouvez aussi attraper des armes, hein. Vous pouvez aussi attraper des boîtes de conserve, vous pouvez attraper des munitions, mais vous pouvez aussi attraper des poissons fretins, que ça s'appelle, donc c'est des petits poissons normaux. Ah ouais, vous pouvez même récupérer des matériaux. Donc là, je vais vous montrer que je peux pêcher un poisson fretin, si bien entendu le jeu me le permet. Parce que là, il n'a pas l'air de vouloir me donner un fretin. Je pense pas que depuis là... Voilà. Ça, c'est un poisson fretin. Donc, le but, c'est de pêcher 3 poissons pour terminer le défi. Donc, regardez, avec votre fusil harpon, vous pouvez aussi pêcher. Ça pêche plus rapidement, hein, bien entendu. Donc, dès que vous aurez pêché 3 poissons, bah, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.